Et si on écoutait une love story? Aujourd'hui, une histoire d'amour ratée. On vous raconte le destin étonnant d'Yvonne Leroll. Tout le monde connaît, ou presque, Yvonne et Christine Leroll. Elles ont été immortalisées en 1897 par Renoir dans son tableau « Yvonne et Christine Leroll au piano ». Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à Yvonne, en robe blanche ici, sur le tableau, et à son mari, Eugène Rouard, qui ont vécu à Grenade il y a 100 ans. Le père d'Yvonne, Henri Leroll, est peintre et collectionneur d'art. Il a de nombreux amis artistes, Renoir, Degas, Debussy, Gide, Claudel, et j'en passe. Yvonne connaît une enfance choyée, elle a tout pour être heureuse, la beauté, la fortune et les arts. Son destin va bientôt être mêlé au destin d'une autre famille prestigieuse, les Rouard. Eugène, ingénieur agronome, est le fils d'Henri Rouard, un industriel, peintre et collectionneur d'art. Le peintre Degas, qui connaît très bien les deux familles, Leroll et Rouard, s'improvise entremetteur et réussit à les convaincre de marier Yvonne et Eugène. Voilà qui est fait. Le 27 décembre 1898, Eugène épouse Yvonne. Mais Eugène est très occupé. Il a beaucoup d'autres choses à faire que de prendre soin de son épouse. En 1902, il achète le domaine de Bagnols à Grenade, où il crée par la suite les pépinières garonnaises. Il assure au domaine une renommée considérable. Bagnols compte à ce moment-là jusqu'à 120 ouvriers permanents. Eugène s'intéresse aussi à la politique. Élu maire de Castelnau le 9 novembre 1905, il devient conseiller général de Fronton en 1919. Puis, il devient même sénateur en janvier 1933. Côté vie privée, c'est plus compliqué. Malheureusement pour Yvonne, Eugène partage les goûts de son ami André Gide. Il préfère les hommes. Et il n'en parlera jamais à Yvonne. Eugène s'éteint malheureusement en 1936. La gestion calamiteuse de ses biens contraint à vendre le domaine de Bagnols. Étrange destin que celui d'Yvonne, élevée dans un milieu foisonnant qui finit sa vie esselée. Triste histoire d'amour en somme. Mais on peut se consoler en admirant les magnifiques tableaux de Renoir à qui elle servit de modèle. Hey, salut, c'est moi, la voix. Vous m'avez peut-être reconnue, je suis Camille de l'Office de Tourisme. On espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste ici pour suivre les prochaines visites numériques de l'Office de Tourisme des Hauts-Tolosan. Retrouvez dans la description les crédits photos, ressources documentaires, liens vers nos réseaux sociaux et nos coordonnées. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures autant couleurs en Hauts-Tolosan. Salut!